Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remplacer une image dans du contenu WordPress par une autre. Donc, sur le site de test, j'ai donc publié un article bidon, vous voyez, du faux texte, et dans lequel j'ai mis deux images à l'intérieur du contenu en plus de l'image mise en avant. Donc, vous voyez que j'ai une image ici à gauche et une autre à droite. Donc, je vais vous montrer comment changer ces photos. Donc, vous allez dans l'éditeur de votre article ou de votre page ou de n'importe quel autre contenu où vous voulez changer une image. Vous cliquez, faites un clic gauche donc sur l'image que vous voulez modifier et ensuite vous cliquez sur le petit crayon, l'icône qui correspond à modifier. Donc, vous avez la fenêtre de détail de l'image qui s'ouvre. Et si vous regardez à droite, juste en dessous de l'image, vous avez un bouton remplacer. Donc vous cliquez dessus. Et de la même façon que vous sélectionnez une image pour l'insérer dans du contenu, vous faites de même ici. Donc je vais prendre parmi les images qui sont déjà dans la bibliothèque, pardon. Donc vous voyez que par défaut, il conserve l'image qui était existante et donc il vous suffit de cliquer sur une autre image, de cliquer sur remplacer et voici votre image remplacée. Alors par contre faites attention parce que au niveau du centrage de l'image, il va appliquer automatiquement le dernier réglage qui avait été enregistré sur le blog. Donc moi, la dernière image que j'avais importée, c'était celle-ci. Donc vous voyez automatiquement, il a mis le même alignement. Donc moi, je vais retrouver mon alignement à gauche. Donc on n'oublie pas de sélectionner l'alignement. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour. Et maintenant, on va voir côté visiteur. On renouvelle la page. Et vous voyez que l'image a bien changé. Donc je vous remontre rapidement avec la seconde image. Donc on se positionne sur l'image, un clic gauche, on clique sur le petit crayon, modifier, ensuite sur le bouton remplacer. Et tiens, allez, on va aller chercher un fichier qui n'est pas existant. Donc sur votre PC, sur votre disque dur, une clé USB, ou j'en passe, c'est les meilleurs. Tiens, je vais aller dans mon dossier supprimer, j'en ai plein. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, hop, tiens. Au hasard. Donc, je clique sur remplacer. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour. Et ensuite, on renouvelle la page côté visiteur. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, donc je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, à le liker sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!